Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff! Vous avez été nombreux à me dire, est-ce que tu connais un bon pronostiqueur? Et c'est Enzo Prono. C'est un pronostiqueur qui donne ses paris gratuitement, même l'espace VIP est gratuit. Et il a créé une application que vous pouvez télécharger. Le mec est disponible 7 jours sur 7, de 9h à minuit en semaine et de 11h à 19h le week-end. Le plus dans tout ça, c'est qu'il met des paris tous les jours. Et les pronostics, ils seront disponibles sur l'application chaque jour avant 14h, donc restez à l'affût. Alors en tout premier, on tape Enzo Prono et vous téléchargez. Donc là, vous appuyez sur Rejoins-nous. Là, ça vous redirige vers une page Facebook. Une fois que vous allez sur cette page Facebook, vous appuyez sur Message. C'est pas compliqué. Et là, vous envoyez Démarrer. Une fois que vous avez fait ça sur Facebook, vous n'allez plus qu'à aller dans l'onglet qui est tout à droite. Vous appuyez sur Mon VIP. Et là, vous aurez vos identifiants qui vous auront été envoyés au préalable sur Facebook. Et avec ça, vous pourrez vous connecter pour suivre tous les paris VIP. C'est vraiment simple. C'est gratuit. Installez leur application. C'est le top du top. Salut Internet, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui n'est pas une vidéo comme les autres. Dans cette vidéo, vous allez voir un patron prendre de haut et maltraiter les employés qu'il reçoit dans son bureau. Une employée nous a contacté pour nous dire que son patron maltraitait ses employés. Nous avons demandé d'abord plusieurs éléments et ensuite nous avons décidé de mener une enquête sur ce patron. Avec la complicité de l'employé dont on taira le nom, nous avons pu placer une caméra cachée dans le bureau du patron pendant que cet employé faisait le ménage à l'intérieur. Je l'ai donc contacté en me faisant passer pour quelqu'un qui recherchait du travail. J'ai donc obtenu un rendez-vous et je me suis donc rendu au bureau du patron à l'heure et à la date à laquelle il m'a donné rendez-vous. Avec la complicité de l'employé qui a dénoncé le patron, nous avons pu mettre une caméra cachée dans son bureau sans qu'il s'en rende compte et avons filmé toute la scène de A à Z. J'ai donc fait semblant de rechercher du travail. Je lui ai dit que j'étais prêt à tout pour cela et vous verrez qu'il n'y a pas été de main morte avec moi. Cette vidéo a été très délicate à tourner et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'intro comme d'habitude et que vous verrez la partie principale de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Ça va? Tout va bien, monsieur? Oui, ça va, et vous? Vous êtes sûr? Bah oui, pourquoi? Et avec qui vous dérange? La casquette, peut-être? La casquette, sur la... Excusez-moi. Oui, déjà de 1 et de 2. Est-ce que je vous ai demandé de vous asseoir? Après, il faut vous m'autoriser? Ouais, je sais pas, vous avez quand même une éducation. Bien sûr. Donc, vous asseyez n'importe où, je vous dirai de vous asseoir. Vous êtes d'accord avec moi, je crois. Si vous voulez, pas de soucis. Je peux. Je suis quand même chez moi, je fais ce que je veux, non? Allez, allez, assieds-toi. Je ne vais pas te taire. Bref. Voilà, moi je suis intéressé par l'offre que j'ai vue. Parce que vous recherchez un entretien. Quand vous savez travailler, vous avez déjà travaillé dans votre vie? Oui, j'ai déjà travaillé dans ma vie. Après, j'étais pas dans ce domaine-là, mais j'ai déjà travaillé. Ouais. Voilà, je vous explique grosso modo. On a besoin d'un agent de nettoyage. Ouais, un agent d'entretien, quoi, c'est ça. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Pourquoi vous me coupez quand je vous parle? Non, je vous ai pas coupé, juste c'est un agent de confirmation. Oui, bah, ça veut dire quoi? Vous insinuez que c'est moi que... Non, du tout, c'est pour savoir si on est sur la même longueur d'onde, quoi. Ah, mais c'est qui le patron? C'est vous ou c'est moi? Bah, c'est vous. Mais c'est vous! C'est vous. Moi, je cherche quelqu'un. Tu veux le poste? Tu veux pas? Tu sais, des petits jeunes qui cherchent du travail, il y en a à tous les coins de rue. Vous avez fait tomber un peu de cendre sur le clavier, ça intéresse quoi? Ah bon, je fais tomber un peu de cendre. Donc c'est toi, petit jeune, qui fait que me dicter depuis tout à l'heure ce que j'ai à faire. Non, je vous dis juste que vous avez fait tomber de la cendre. Mais écoute-moi, si j'ai envie de mettre de la cendre ici, je mets de la cendre ici. Après tout, c'est qui va nettoyer? C'est toi, non? Bah si je suis embauché, oui. Si j'ai envie.
Tiens, viens, on va commencer par ça. Viens, tu m'enlèves. Je vais t'apprendre un petit peu comment c'est la vie. Mais vous, je comprends pas là, vous voulez que je nettoie quoi? Tu veux que je te fasse un dessin? Vous voulez que je nettoie vos chaussures? Tu prends le sopalin. Tu prends, il y a marqué nettoyeur vitre. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Hein. Tu es pas bête, tu as un petit cerveau. Tu vas le faire un petit peu marcher. Donc là, vous voulez que je nettoie vos chaussures? C'est ça. Tu m'as bien dit que tu t'es pris à tout pour pouvoir gagner ton pain, non? Ouais. Eh bien, dans la vie, je te donne du travail. Tu es prêt à le faire ou pas? Si vous m'embauchez, oui. Fais. Et t'inquiète pas que ton contrat, tu l'auras bientôt. Eh hey. Ah, je t'ai pas demandé de m'arroser le pied aussi. Mais je suis obligé d'être du produit, monsieur. Ça commence mal, déjà. Tu sais travailler ou tu sais pas travailler? Oui, si, non, mais moi je te dis, fais ça bien, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Tu me fais du travail de tes bras? Nettoie bien la semelle. Hein. Nettoie la semelle. La semelle, c'est parce que c'est une semelle. Ah, si, si, si. Tu veux pas si je t'appelle ce que c'est ta droite et ta gauche, non? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu veux mettre du sopalin partout là? Ah, c'est quoi ce travail? Mais vous mettez les pieds sur le... Écoute-moi, mets-toi. Mets-toi. Tu es sincèrement en train de me taper sur le système. Remets-toi à ta place. Tu permets 2 secondes. Je vais appeler quelqu'un. Je reviens, ne bouge pas. Mais vous en mettez partout de la cendre. Vous en avez encore remis là, je vais le nettoyer. C'est ton problème, c'est pas mon problème. Tu comprends? Oui, c'est moi, je vous attends. Et pendant que je parle, tu nettoies, je veux que ce soit nickel. Ouais. Hein? Qu'on puisse manger sur la table. D'accord. Hein? Ok. Ouais, bravo, bête. Bon, les gars, je prends sa place et je vais lui faire comprendre que c'est pas lui le patron et qu'il va falloir qu'il se calme. Parce que là, c'est de l'abus de pouvoir. Ouais, vas-y, c'est bon, de toute façon, je tiens au pouvoir. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je rêve, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Oh! Assieds-toi vite. Il y a une caméra qui te filme depuis le début, assieds-toi. Si tu veux pas de problème, je te conseille de t'asseoir maintenant. Une caméra? Assieds-toi de suite. C'est un employé qui t'a mis une caméra cachée dans le bureau. Assieds-toi. Écoute-moi. Assieds-toi. Tu veux un conseil? Assieds-toi vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Assieds-toi. Je te sers mon paquet de quoi? Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est mon paquet. Assieds-toi. Là, on va dans notre. Tiens, on va échanger les rôles. Moi, je suis patron, toi, tu es l'employé. Tu fermes ta gueule quand je parle. Ah bon, ça va pas m'éteindre. Quand je parle, parce que t'as vu la caméra qu'elle a là. Oh, okay. Non, mais tu vois la petite caméra qu'elle a là. Ouais. Depuis tout à l'heure, elle nous filme. Elle filme l'entretien. Ça veut dire que si je mets ça sur internet. Ok. Ta boîte. La production, c'est fini. Et tes artistes aussi. Et tu vas devoir indemniser tout le monde. C'est ça que tu veux? Je te prends pour. Est-ce que c'est ça que tu veux, bordel de merde? Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Voilà. Donc, tu vas redescendre d'un étage. D'accord? Et là, on a inversé les rôles et je vais te proposer un deal parce que sinon tu vas être emmerdé toute ta vie. C'est bien, t'en as le bon de père. Hein? Ouais. T'en as le bon de père, mais toi si tu continues, tu vas plus en avoir du tout. Toi le bateau du bois là, t'es en train de. Je te propose un truc. Viens, nettoie. Vas-y, nettoie. Tu vas te mettre un peu à la place des employés que tu traites, vas-y, nettoie. C'est ton travail. Toi, de suite. De suite, parce que sinon je prends la caméra, je me casse. Je vais t'apprendre, moi, que les riches, il faut qu'ils arrêtent de maltraiter les pauvres qui ont besoin de travail. Nettoie. T'es pas un gilet jaune, toi, ça se voit. Nettoie. Je ramasse. Tu prends ce qu'il y a là et tu le ramasses. Parce que ça va m'énerver, je vais partir. Je vais même pas négocier avec toi. Nettoie. Après, on discutera négociation. Mais quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup, tu vois. C'est-à-dire aux alentours de 650 000, un peu plus même, d'accord. Si demain, cette vidéo qu'on est en train de filmer, je la mets sur les réseaux, tu vas au chômage, à Pôle emploi. Maintenant, tu vas me proposer une solution pour que je balance pas la vidéo sur Internet, avec ton visage et le nom de ta société. Je ne fais pas la peine d'être menaçant, je m'excuse, je te présente mes excuses. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Arrête de tomber dans le bois. Qu'est-ce que tu proposes?
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me proposes? Tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Y'a que l'argent qui fait fermer la gueule des gens. Non, moi c'est pas moi l'argent, je m'en fous. Ah ouais? Ouais. Je m'en fous l'argent. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes quoi? Je sais pas, tu veux du travail, tu veux un CDI? Tu crois que j'ai besoin de travail? J'ai ma société. J'ai pas besoin de travail. Je suis comme toi, je suis un chef d'entreprise. D'accord. Non, j'ai pas besoin de travail. C'est quoi, t'as vu? Tu croyais que tu parlais chômeur, tu parlais chef d'entreprise. Bon, écoute, je te fais un chèque. Tu me fais ce que tu veux. Tu veux le prendre pour toi. Un chèque de combien tu me fais? 5 000. On peut faire mieux, non? Faire mieux. On peut faire mieux que 5 000 euros, non? Je sais pas si je te donne bien, hein. Pourquoi pas? Moi, je te dis, tu me fais un chèque de 10 000 euros, là, de suite. Et tu vas en faire quoi? Ça te regarde pas ce que je vais me faire. Tu me fais un chèque de 10 000 euros ou pas? Ou je balance ça sur internet? 8 000 euros. 10 000. Non négociable. Non négociable. Non négociable. 10 000 euros, je balance tout sur internet. Elle aurait bien cher l'histoire. T'as qu'à fermer ta gueule et être respectueux. Envers les gens, t'apprendra au moins. Peut-être que ça servira de leçon. Alors 10 000, tu marques. Mais 0, on ne sait pas de montrer. Mais 10 000. Mais 10 000, on ne sait pas de montrer. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que la vie c'était comme ça, toi? Tu peux parler aux gens comme tu voulais? T'es un fou, toi. À quel nom je mets? Tu vas le mettre à. Vas-y. Bah, respire de Montpellier. Ouais. Tu vas faire un chèque pour les animaux, hein? Je travaille pas là-bas, mais au moins ton argent il servira à quelque chose. Voilà, signe. Sinon ton chèque il vaut rien. Signe. Tu m'écoutes? Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais envoyer des gens ici, en anonyme. Tu sauras même pas que c'est moi qui les envoie. Si les gens, ils viennent me dire que tu les as traités comme tu viens de faire avec moi, je balance la vidéo avec toutes les images. Ah non, fouté. T'as compris ou pas ce que je viens de te dire? Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que ça y est, que je t'ai donné ce que tu voulais? Qui c'est quand même cette caméra? C'est un employé. Un employé? Ouais. T'as beaucoup d'employés, tu sauras jamais qui c'est. Ouais. Un employé ou une employée? Un ou une. Merci. Merci beaucoup. Hein? Et voilà, moi j'y vais. Bien, bravo, bravo Ben. Merci. On se présente bien. Ouais, non, c'est les animaux qui vont en profiter. On va aller déjà très bientôt. Ouais, très bientôt.